Nous passons maintenant au point 11, modification du nom d'un élément inscrit. Madame Okinata, la parole est à vous pour nous présenter ce point. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce point concerne la modification du nom d'un programme effectué en Suède que le comité a sélectionné et inclus en 2018 dans le registre de bonnes pratiques de sauvegarde comme un programme reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention. Il est actuellement intitulé en anglais « Land of Legends Program for Promoting and Revitalizing the Art of Storytelling in Kronoberg Region between brackets South Sweden » et en français le programme entre guillemets « Terre des légendes » pour promouvoir et redynamiser l'art du conte dans le comté de Kronoberg, entre parenthèses, sud de la Suède. Le ministère de la Culture suédois a informé le secrétariat le 15 mars cette année de son souhait de modifier le nom de ce programme puisqu'il souhaitait supprimer la parenthèse à la fin. Selon le paragraphe 41 des directives opérationnelles, je cite, « un ou plusieurs États parties peuvent demander à ce que le nom d'un élément inscrit soit modifié. Une telle demande doit être soumise au moins 3 mois avant une session du comité. Madame la Présidente, cette procédure a déjà été appliquée précédemment en 2015 pour un élément de Guatemala inscrit sur la liste de sauvegarde urgente en 2013. La demande, cette fois-ci de la Suède, a été reçue dans le délai imparti des 3 mois avant cette session du comité. Il est donc demandé au comité d'approuver le changement de nom proposé par la Suède, à savoir en anglais « Land of Legends Program for Promoting and Revitalizing the Art of Storytelling in Kronoberg Region » et en français « Le programme Terre des légendes » pour promouvoir et redynamiser l'art du conte dans le comté de Kronoberg. Par ailleurs, le secrétariat propose d'enlever les guillemets utilisés dans le nom d'origine de l'élément en français afin qu'il corresponde mieux au titre en anglais. Merci, Madame la Présidente. Merci, Fumiko. Nous sommes à présent sur un sujet que c'est facile à résoudre, ne pose pas de problème. Alors, je vous propose d'aller directement sur la décision. Donc, pouvons-nous l'adopter complètement? D'accord. Donc, la décision 14.11 est adoptée. C'est qui? Pardon. La Suède. La Suède, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chairperson. Sweden would like to thank the committee for the decision to modify the name of the Land of Legends program. To delete the parenthesis is indeed a technical correction, and it doesn't change anything in substance regarding the inscription. But we, of course, hope that you nevertheless will remember that Kronoberg is a special place in southern Sweden that is filled with stories. If not, you're most welcome to visit the Land of Legends and meet all the storytellers at these magical places. And since we have the opportunity to take the floor, we would also like to underline the importance of the Register of Good Safeguarding Practices. Since last year, when the Land of Legends program was inscribed in the register, they have had quite a busy time sharing their methods in many ways, both nationally and internationally. This register really gives the opportunity to sharing safeguarding methods and highlight the decisive work of the practitioners and NGOs in the implementation of the convention. Thank you. Thank you very much, Sweden.